Ce reportage que vous allez suivre sur le contrôle mental, c'est-à-dire la télépathie, la télévoyance, la télésensation. Ce documentaire a pour objectif de vous démontrer encore une fois ce qui a fait la puissance des grandes nations, ce qui a fait la force des États-Unis, la Russie et surtout le temps des nazis. Cette faculté a été utilisée pour la première fois dans l'Égypte antique. Nos ancêtres, les pharaons, utilisaient le cerveau à 100%. Voilà pourquoi le Sphinx et la grande pyramide de Gizeh ont été construites par les pharaons les plus forts, les plus puissants de l'univers. Aujourd'hui, beaucoup veulent comprendre le pouvoir mental, le contrôle mental, copier les pensées de quelqu'un, sentir ce que l'autre sent, voir ce que l'autre sent, quelle que soit la distance. Mais c'est une réalité. Et donc, il est recommandé à toutes les personnes qui vont suivre ce documentaire d'essayer de se poser la question. Est-ce que j'ai cette faculté? Est-ce que j'ai cette faculté? Est-ce que cette faculté fonctionne en moi? Je vous dirai oui, oui, trois fois parce que tout le monde a la télépathie. Tout le monde est télépathique. Mais sauf que nous, les initiés, nous, les guides spirituels, on l'utilise consciemment. Donc je vous laisse suivre ce documentaire dans lequel vous allez voir toutes les étapes possibles pour comprendre le pouvoir du contrôle mental, le pouvoir de la télépathie. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, salut. La télépathie, une science utilisée depuis des années par les Américains et les Russes. Joseph McMoneagle, l'Américain le plus voyant et le plus décoré du monde, a été l'élément donc principal du projet Stargate. Aujourd'hui, nous sommes au Togo avec l'un des maîtres Ramsès II, qui dit pouvoir lire dans les pensées d'une personne qui n'a jamais vu, qui ne connaît pas. Et de l'autre bout du monde, en se concentrant juste sur la photo du concerné. Pour le mettre en épreuve, nous avons utilisé 6 différents endroits, comme celui de McMoneagle. Aujourd'hui, et ici dans la préfecture de Tiaoudio, nous allons utiliser 6 endroits. Et à l'instant, nous sommes au CEG Tchawanda. Alors, vous voyez, comme le fait mon second, il prend les photos du lieu, comme je l'ai dit, le CEG Tchawanda. Nous sommes toujours à Tiaoudio et cette fois-ci, dans les vestiges des colons. Vous apercevez derrière moi
la poudrière. Toujours le même scénario, la photo. Dans la découverte toujours de nos 6 endroits, cette fois-ci nous sommes au CEG Bargui, toujours à Tchaoudia bien sûr. Et comme le même processus, les images. Cette fois-ci, nous sommes au niveau de Tchawanda, au cimetière européen. Nous allons toujours appréhender, suivre plutôt les photos. Afin toujours de permettre au maître, dans cette science de la télépathie, lire les pensées d'une personne à travers ses différents endroits, ni vu ni connu, il sera concentré sur des images. Nous sommes cette fois-ci sur le pont en fer construit par les Allemands. Les images. Enfin, nous voici au dernier endroit dans l'enceinte, au CDI. Les photos. C'est à travers ces 6 endroits que l'ancien parapsychologue, le maître de la flèche du soleil, qui va diriger bien sûr cette séance de la télépathie, où il jettera un dé d'abord, qui va permettre de choisir un endroit. L'endroit qui sera choisi permettra maintenant à l'agent émetteur de se diriger sur l'endroit. Une fois sur les lieux de l'endroit, cet agent émetteur permettra aussi au maître Ramsès II de se connecter à cet agent. Ce qui permettra aussi au maître de voir les images que reçoit, ou du moins les images qui sont face à cet agent émetteur. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, merci encore une fois. Nous sommes au stade maintenant où nous avons déjà la photo des 6 endroits. Vous allez constater ici déjà la poudrière. L'endroit du cimetière européen, ici le CEG Bariki, le CEG Tchawanda, sous le pont de l'aviation, un pont construit donc par les Allemands, et le dernier endroit, l'OCDI. Ces 6 images seront donc avec les enveloppes remis. Nous allons les remettre bien sûr au parapsychologue La Flèche du Soleil qui, à son tour, va sceller les images. Nous allons jeter toujours avec le parapsychologue un dé qui nous permettra de choisir une enveloppe qui permettra à Ramsès II de se connecter à travers l'agent émetteur. Je vous rappelle que tout ceci se fera demain. Merci et à tout à l'heure. Je suis monsieur de la Flèche du Soleil, bon, dit caméléon, prophète de la vérité de la région centrale, Togo. Comme vous le savez, nous sommes dans un cadre, n'est-ce pas, d'explication de la télépathie. Qu'est-ce que c'est que la télépathie ? Moi, à mon sens, comment je comprends la télépathie, c'est ça que je voudrais aujourd'hui expliquer au monde. C'est-à-dire que, au monde entier, que les gens comprennent, ceux qui nous observent, ils comprennent. Allons, n'est-ce pas, d'abord dans la sémantique des mots. Qu'est-ce qu'on appelle la sémantique des mots? C'est-à-dire les mots familiers. Si je prends la sémantique des mots, je prends par exemple pathie. Pathie, c'est quoi? Ce que l'homme éprouve. L'affection, la maladie. On parle de pathie. Pathie. Si je prends le cas de apathie, c'est l'indifférence, l'indolence, l'inertie, la mollesse, l'insensibilité. Caractère d'une personne indifférente à l'émotion et au désir. C'est ça qu'on appelle apathie. Quand on dit que quelqu'un est apathique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. Il est indifférent à tout ce que vous faites. Voilà.
Maintenant, quand nous allons parler, n'est-ce pas, de l'antipathie. L'antipathie, c'est le contraire de l'apathie. L'antipathie, c'est quelqu'un qui a un sentiment d'aversion à l'égard de quelqu'un. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, ça ne l'intéresse pas. Tout ce que vous faites, ça ne l'intéresse pas. Il est antipathique à tout ce que vous faites. Ça, c'est l'antipathie. Différent n'est pas de la sympathie. La sympathie est le contraire de l'antipathie. Quand on dit quelqu'un est sympathique, c'est quelqu'un qui est... Il est joyeux, il reçoit tout le monde, il approuve tout ce que les gens disent. Il est sympathique à tout ce que vous dites. Ça, c'est la sympathie. Maintenant, quand nous voulons aller loin, quand on parle de la... On dit télé, c'est-à-dire à distance, ce qui est loin. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on aille d'abord dans la sémantique des mots, avec des mots familiers, pour mieux comprendre les termes dans leur contexte réel. Donc, quand on dit télé, c'est distance. Et quand vous prenez... quand vous voulez voir, il y a télécommandé, téléchargé, télécommuniqué. Quand on parle de télécommuniqué, c'est différent, n'est-ce pas, de la télépathie. On télécommunique par le téléphone ou bien par la télévision. C'est une communication à distance. Téléchargé, télé. Il y a plusieurs télé. Vous pouvez expliquer plusieurs télé à distance. Maintenant, la télépathie, c'est quoi? Nous sommes maintenant dans le contexte réel de ce que nous voulons expliquer. La télépathie, c'est la communication par la pensée à distance. Quand on parle de la télépathie, c'est-à-dire qu'on communique à distance avec un individu. Et dans la télépathie, il y a ce qu'on appelle l'autosuggestion mentale. Vous pouvez autosuggérer quelqu'un à distance pour que je puisse demander à ma femme de me préparer la pâte à distance étant au bureau. C'est la télépathie. Et vous pouvez aussi, en train de penser à quelqu'un, subitement la personne arrive à votre niveau. C'est-à-dire qu'il y a eu une décharge. Vous avez pressenti que la personne elle vient vers vous et elle arrive. C'est la télépathie. Ça peut être volontaire comme involontaire. La télépathie a deux dimensions. Elle peut être volontaire comme involontaire. Donc c'est ce que c'est que la télépathie. Et quand on parle de la télépathie, je l'ai expliqué ici, c'est différent, c'est pas de la télévoyance. La télévoyance, c'est encore autre chose. La télévoyance, c'est quelque chose qu'on peut voir à distance. Voir à distance, télévoyance. Et c'est là qu'on vous parle, n'est-ce pas, de la boule de cristal. Et là-bas, il y a plusieurs mancies. Vous allez voir là, l'immensie, la courimancie, tout ça là. Bon, en ce moment-là, à ce niveau-là, il y a plusieurs de mancies qu'on peut... Un monde innombrable de mancies. Vous voyez. Donc, je pense que la télépathie, c'est par la pensée, à distance. Différent, n'est-ce pas, de la télévoyance. Je m'arrête là. Maître de la flèche du soleil, dit caméléon. Dit le vieux caméléon. De la région centrale. Pensez-vous que la télépathie peut aider les militaires? Et pourquoi pas? C'est une arme. La télépathie est une arme. Absolument une arme. Et on dit militaire. Un militaire, normalement, un bon militaire, c'est quelqu'un qui doit avoir, n'est-ce pas, des dimensions spirituelles. Un bon militaire, c'est quelqu'un qui doit maîtriser le côté ésotérique spirituel. C'est-à-dire que la métaphysique, dans tous ses contours. Parce qu'un militaire peut, à distance, voir qu'il y a l'ennemi là-bas à distance. Quand on prend le cas de Bonaparte, de Napoléon, j'allais dire. Vous savez, Napoléon, avant d'aller en guerre, aujourd'hui, actuellement, vous allez trouver même l'oracle de Napoléon. Avant d'aller en guerre, Napoléon construit d'abord l'oracle avant d'aller. Il sait d'avance ce qui va se passer. Avant d'aller, on ne va pas comme ça, dans un champ de bataille, comme une vulgaire histoire. Vous comprenez? Donc, ça pour vous dire qu'en principe, quand on dit militaire, là, tu dois te former sur le plan métaphysique pour répondre à toutes les dimensions spirituelles et humaines, physiques. Donc, c'est ça. Nous sommes au grand jour. Voici, nous sommes avec le parapsychologue de la flèche du soleil, dit le vieux caméléon, le Tchaoudo, ici à son côté. Nous allons maintenant procéder au lancement du dé. Voici déjà les 6 enveloppes qui sont là. Le parapsychologue va donc lancer le dé. Le choix va porter sur une photo que nous allons prendre et remettre
à notre agent émetteur que le maître du maître Ramsès II ne le connaît pas. Comme je le dis toujours souvent, ni vu, ni connu. Bien, donc, comme il a si bien dit, je suis monsieur de la Fleur du Soleil, dit le vieux caméléon. Je peux dire que le prophète de la vérité de la Réunion centrale. Bon, nous allons nous livrer à un jeu parapsychologique, peut-être de voyance à distance. Donc, comme il a si bien expliqué, voilà disposé 6 enveloppes numérotées de 1 à 6. Donc, je vais lancer le dé et le nombre qui va s'afficher sur le dé, c'est partant de ce nombre-là qu'on va choisir l'enveloppe. Et maintenant, ils iront remettre la photo à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas. Et c'est ensuite maintenant que le maître Ramsès II va continuer par faire, n'est-ce pas, vous démontrer ce qu'il sait faire. Donc je crois que pour ne pas perdre du temps, tout de suite je prends le dé et je le lance. Voilà le dé. Vous pouvez suivre le dé que je tiens. Et je lance. Bien, donc, je pense que c'est le nombre 2 qui est sorti sur le dé. Cela nous amène maintenant à choisir l'enveloppe numéro 2. Et c'est à partir de l'enveloppe là que les activités, n'est-ce pas, de la télépathie, de la télécommunication va se réaliser. De la télévoyance, en quelque sorte, va se réaliser. Comme vous le savez, le tirage est porté sur l'enveloppe numéro 2 et l'image que nous allons remettre à l'agent émetteur que vous allez également apercevoir. Je vous rappelle que cet agent émetteur, le maître ne l'a pas encore vu. Nous sommes les seuls à le voir. Et le maître, lui, n'a que sa photo de l'autre côté là-bas. Donc, l'agent émetteur, voici l'enveloppe que nous allons ouvrir et voir quel endroit est retenu. Donc, l'agent chargé à voir l'image. Voilà. C'est donc la poudrière qui a été retenue comme endroit où nous irons afin de permettre à Ramsès II de se connecter à l'agent émetteur pour vraiment voir à travers cette télépathie ce que l'agent émetteur voit sur les lieux. Alors sans tarder, nous allons nous diriger vers les lieux. Nous sommes sur les lieux, mais je pense que nous sommes juste à l'entrée
de l'image qui a été choisie, la poudrière bien sûr, c'est l'image. Maintenant nous allons nous diriger vers l'endroit avec l'agent émetteur. C'est cet agent qui sera sur le terrain ici, le maître Ramsès II, il est déjà à la maison sur place. À travers sa photo qu'il a à son niveau, il va se connecter à ce monsieur et voir tout ce qui est comme image devant ce monsieur. Là, tranquillement, nous nous dirigeons vers les lieux de la poudrière. Alors doucement, nous nous disons toujours avec l'agent émetteur sur les lieux, la poudrière. Ici, au niveau donc du lycée technique de Sokodé. Votre agent émetteur va bientôt se positionner, observer lieu, toujours dans le sens de la télépathie, le maître Ramsès II va se connecter à cet agent émetteur et pouvoir observer, pouvoir dessiner ce qui est en face de l'agent émetteur.
écoutez bien, qui finit bien. La phase de la concentration de notre agent émetteur est terminée. Je pense que nous allons maintenant nous diviser pour aller chercher le maître. Bon, avant d'arriver pour terminer tout, nous sommes venus chercher Ramsès II et il était sur le lieu, ici à la maison. Il s'est connecté à travers la photo de l'agent émetteur pour essayer de mettre sur papier tout ce qui a été observé de l'autre côté par l'agent émetteur. Nous allons maintenant nous diriger sur le lieu pour terminer ce qu'on a commencé. Du maître Ramsès et du parapsychologue La Flèche du Soleil, qui est également le vieux camionneur Jésus de Tchao-Djoro, sur les lieux de la petite rivière. Lentement, nous avançons vers les lieux. Nous allons rejoindre l'agent émetteur. D'ailleurs, c'est maintenant que le maître va connaître cet agent. Qui était l'agent émetteur à part la photo qu'il avait en face de lui. Des milliards d'années. Alors, on ne t'a jamais vu. Je lui dis, moi, je le vois. Alors, si le chemin, est-ce qu'il va fabriquer? Waouh. Ici, c'est quoi? C'est ça, là. C'est le mur. Waouh. Non, ça, c'est, j'ai même les plantes, les deux, là. Ça, là. C'est ça ici, non? Ce qui a des fleurs? Non, c'est sur les cailloux. Vous voyez, maître? Oui, ouais. Sur les cailloux. Ici, j'ai dit, c'est l'entrée. Il y a de l'autre côté. Il y a de l'autre côté. Ça, j'ai dit, mur brisé. Ça va là, ça. Il y a un cahier dit, l'agent émetteur doit aimer les chansons, artistes, entre parenthèses, artistes. Et tu as aussi, j'ai oublié autre chose comme. Doué en manipulation émotionnelle, c'est-à-dire tu fais envoûter les filles par tes émotions. On a vérifié tout. C'est pas encore fini. On est en train de vérifier. Donc, le constat, vraiment. Ça, ici, là, c'est le bâtiment, là, ça. Il y a à gauche du dessin principal. Ça, c'est le dessin principal, à gauche. Là-bas. Mmh. En montant, notre bâtiment, c'est la bouche là-bas. Mmh. C'est le bâtiment là que j'ai dessiné, c'est comme ça. Okay. J'ai des vieux bâtiments. Voilà, j'ai une flèche à gauche du dessin principal. Mmh. Donc ça, c'est des grands arbres. Ouais, des choses bizarres en haut, mais bon, ça passe à quoi.
sais quand même dessiner les arbres. Je peut-être que... Ça, c'est le bâtiment. Le bâtiment du milieu là. Du milieu là. Oui, oui. Donc il sentait, en tout cas dedans est vraiment sale. Très sale. Donc il sentait ces vibrations là. Donc on essaie de conclure. Bon, comme je l'avais dit tout au début de notre entrevue, nous venons d'assister à une scène d'état physique, à une démonstration vraiment épateuse. Parce que moi-même, ça m'a épaté qu'à distance, on peut visualiser, mais pour me permettre de visualiser un endroit et arriver à faire le même remarque et à voir la même nature. Ça m'a épaté. J'ai assisté à une télévoyance. Voilà. Donc il n'est pas donné à tout le monde de réaliser ce que je viens de constater. Donc je voudrais à mon fils vraiment lui souhaiter une bonne continuation. Parce que c'est cette continuation-là qui nous permettra un jour de soulever les montagnes où on ne peut pas les soulever. Parce que tout est une question de volonté. Quand on met la volonté, tout est possible. Vouloir se croire, dit-on. Donc je l'exhorte, par tout ce que j'ai constaté, remarqué, je l'exhorte à plus de persévérance, de travail. Merci beaucoup, maître vieux caméléon de Chaudio, maître de la fête du soleil. Ce fut un plaisir d'abord de travailler depuis son bureau et de voir vraiment l'atmosphère imprégnée d'une aura vraiment bien dense qui m'a d'ailleurs permis de mieux faire ce que j'appelle tout simplement, et là déjà énoncé, la transposition, c'est-à-dire voir à distance. Donc l'agent émetteur en réalité c'est comme une balise géographique, c'est-à-dire un GPS. Quand vous comprenez les énergies, on peut facilement se connecter à quelqu'un et lui donner des ordres, ou du moins voir ce que la personne voit. C'est vrai qu'au niveau scientifique, il nous faut plusieurs expériences, nous le savons. Mais ce que nous pouvons faire, le peu que nous pouvons faire, nous voulons le mettre au service de nos États africains, afin que nous puissions améliorer, tout comme l'Américain le plus décoré du monde, Joseph McMoneagle. Qui est d'ailleurs une idole sincère que j'adore tellement. Je souhaite également être exactement comme lui un jour. Que notre État, notre gouvernement dise que non. S'il y a des gens qui aspirent à être comme Joseph McMoneagle, alors pourquoi pas ne pas leur donner des dossiers? Pourquoi ne pas leur donner des moyens à mettre en place des laboratoires et aider toutes les personnes qui veulent être éveillées? Le maître est là. J'ai passé par lui pour être ce que je suis. C'est pourquoi, pour faire ces choses, il fallait aller vers lui. Et vous avez vu tout le protocole. Il a non seulement mis les photos, il a pris soin de lancer le dé lui-même. Donc je crois que nous sommes là pour suivre le chemin que les grands ont suivi. Pour le bien, non seulement des Africains, mais d'abord pour notre pays. Je vous remercie. Mais nous sommes aussi capables de lancer les armes. Ça, c'est la vérité. C'est la réalité, hein. Parce que... Oui, mais ceux qui ne veulent pas croire, si un jury veut, on va les envoyer les abeilles. Voilà. On fait l'expérience des abeilles. Merci. Vous avez appris qu'on a déjà essayé sur un président. On peut essayer. Voilà, donc il faut vraiment revenir à nos sources ancestrales. Voilà. C'est très important. Alors, notre agent émetteur, face à l'image qui a été dessinée, quels sont vos constats? Mes constats, d'abord, le premier constat, et il a parlé de que j'aime les chansons, les artistes. Effectivement, oui, je suis dans le domaine culturel, je travaille avec les artistes et j'anime les événements.
au niveau de manipulation émotionnelle. Je peux dire oui, effectivement, il a raison là-bas aussi. Et sur l'image, là où on a parlé de cailloux en mur et de arbre, surtout là-bas, ça m'a vraiment émerveillé. Parce que l'autre police, ou bien ce qu'il a fait, la concentration en grosso modo, c'est vraiment ça. On dirait qu'il était ici avec nous quand on était là. D'accord, merci. Une précision, c'est votre première fois de rencontrer notre maître ou c'est... Vous vous connaissez déjà avant? On ne s'est jamais croisé quelque part. Merci beaucoup. C'était donc notre agent émetteur. Il s'appelle Luc. A plus. D'accord, merci. Tout est bien qui finit bien. Je pense que nos maîtres ont déjà souligné, nous ont déjà tout dit en ce qui concerne la télépathie, la télévoyance. On s'arrête ici et on se retrouve à la prochaine. À la présentation, appelez-moi Lee Bouisson. Derrière la caméra, le génie grâce à qui vous avez aperçu tout ceci, vous avez vu tout ceci, il s'appelle James Prince, ou du moins Jemiru Daro Production. Il est donc là pour coordonner tout ceci. On se retrouve à la prochaine et merci de vous abonner à nos pages, à nos chaînes. Bye bye.